Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui c'est le 10e jour du carême. Marc au chapitre 3, le verset 21 nous dit: les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient: il est hors de sens. Notre méditation pour ce matin se portera sur les versets 20 à 30 du chapitre 3 de l'évangile de Marc. Ils se rendirent à la maison. Ce n'est qu'un demi-verset, mais tout est dit. Jésus inaugure une révolution dans la relation de l'homme avec Dieu, luttant contre les puissances du mal, recrutant 12 hommes pour changer le monde, et puis il rentre chez lui. Rien de plus ordinaire, de plus familier pour nous. Nous connaissons tous le pouvoir du foyer pour nous restaurer, établir et fortifier. Chaque fois que nous nous sentons émotionnellement exaltés ou épuisés, ravis ou brisés, il arrive un moment où nous disons « rentrons à la maison ». Jésus ne fait pas exception. La maison est le lieu de résidence. Dans la maison, il y a une réalité. Et cette profonde vérité s'applique à Jésus, non moins qu'à nous tous. Quoique les pharisiens complotaient là-bas, quels que soient les esprits troublés qui gémissaient dans la nuit ici, c'était la maison. Ici, pour le moment, il était en sécurité. Le fait que la foule ne lui ait donné aucune paix, pratiquement pas de temps pour profiter d'être chez lui, ne fait que renforcer son appréciation des plaisirs ordinaires et quotidiens de la vie. Marc nous dit que la pression insistante de la foule était telle que la famille de Jésus ne pouvait même pas manger. Jésus n'est pas Jean le Baptiste. Les sauterelles et le miel sauvage n'étaient pas du tout sa scène. Il aime se régaler. Le verset le plus étonnant de ce passage est peut-être le verset 21, qui parle de ses parents et amis qui sont venus pour le saisir, car ils ont dit « il est hors de lui ». Oui, nous connaissons sa famille, ses disciples, ses autres partisans, mais cela est comme une révélation que Jésus avait réellement des amis. Des gens qui ne lui étaient pas liés par le sang, qu'il n'avait pas nommés officiellement pour l'assister, ni les autoproclamés, mais des amis. Les gens qu'il aimait et se souciaient de lui, qui le connaissaient bien avant qu'il ne devienne célèbre. Cela nous donne une nouvelle dimension à notre image de Jésus, non plus totalement seul, mais faisant partie d'un réseau humain normal d'amour et de soutien. C'était d'ailleurs de vrais amis qui n'avaient pas peur de le prendre à partie quand il le fallait, ou comme en l'occurrence, de l'éloigner des foules qui le menaçaient de l'écraser. Même un prophète révolutionnaire a besoin d'amis qui savent ce qui est le mieux pour lui et qui prendront complètement le relais lorsque le besoin se fera sentir. C'est le genre d'amis que Jésus avait. Les paroles de Jésus sur le péché impardonnable contre le Saint-Esprit sont effrayantes, mais détourne vivement notre attention des choses que nous avons faites de mal, aussi terribles ou impardonnables soient-elles aux yeux du monde, vers des attitudes de base. Ce que Jésus dénonce ici, c'est l'état d'esprit terrifiant dans lequel la vérité ne peut jamais pénétrer. Nous le voyons le plus souvent lorsque les esprits et les cœurs des gens deviennent possédés par une seule idéologie politique, que ce soit au sein d'une église ou d'une scène nationale. Lorsque des esprits fermés voyagent à une vitesse croissante du sectarisme et de la haine. C'était le péché qui a anéanti Jésus, le péché qui a rendu l'amour par la haine, qui a abandonné l'intégrité, méprisé la vérité et nié notre nature même en tant qu'être humain. Le péché contre le Saint-Esprit était le péché contre le Fils de Dieu et le péché contre le Père lui-même. La question pour nous ce matin: dans quelle attitude et idée préconçue suis-je dangereusement proche de commettre
le péché contre le Saint-Esprit? Et quel genre d'ami de Jésus suis-je? Dans quelle attitude et idée préconçue suis-je dangereusement proche de commettre le péché contre le Saint-Esprit? Et quel genre d'ami de Jésus suis-je? Prions le Seigneur. Père, sauve-moi du péché contre ton esprit, en me rappelant toujours que croire en toi, c'est croire au monde, à la vie, en l'homme, à la justice, à la beauté et à la bonté. Par Jésus ton Fils. Amen.